C'est là où c'est dur en compète quand t'as pas de TP. Faut tellement bien être placé sur la map. Faut tellement bien lire le jeu. Et là, rouleur, il est trop avancé. Rouleur, il est trop avancé. Oh! Ok, Oh non, oh, le il a dodge le tiebreaker. Oh, il a le tiebreaker. dodge le tiebreaker, ouais, c'est trop. Bah, en fait, le problème que va avoir Adam, c'est La 5 que. step, le tiebreaker, Ouais. Non, j'avoue que c'est trop grave. Il a 5 step, le strike. C'est largement winnable. Complètement. Regardez Piostik, regardez Piostik sur la minimap, regardez Piostik. Flèche de Piostik dans le dos, Piostik dans le dos, Piostik qui va surprendre. Piostik qui arrive, Langage quand GG juste derrière, ce mid qui devrait tomber dans la foulée, Piostik qui va essayer d'aller chercher, c'est Faker. Mais un stop watch, mais pendant le temps, la Bakken s'est fait détruire. Les T1 n'ont peut-être besoin que d'un seul teamfight pour foncer sur la mid lane. Ah, c'est loupé, ils vont perdre la game là-dessus. Ils vont perdre la game là-dessus. Un teamfight gagné pour T1, c'est suffisant. Oh, c'est mal fait. Gumeji va empêcher ce mid bien sûr de partir. Et on voit le push avec Zeus. Death Timer à 35 secondes pour Yeon. C'est terminé. Fan game et franchement, c'est mal. Missing qui est déjà là aussi. La preuve qui n'est pas level 6 malheureusement. Alors on est côté Alistar, on va tout mettre sur Kalavi. Il est mort, il est mort, il ne peut rien faire. C'est ciao. Il a enfermé Adam, mais il n'y aura plus de dégâts là. Il n'y aura plus de dégâts. C'est une Ahri en early game, c'est un Ahri en early game. Il est mort le Ahri, non? Il a pas de flash, il est mort. Il est mort, Free 6ix9ine est mort. Et c'est un kill pour lui. Demain sera sans doute le plus important, mais ça va vraiment dépendre du tirage. Parce que demain tu peux tomber. Le roi. Let's go. Incroyable. Ça met très très bien. Le boss. Un grand respect à lui, mec. C'est toi, regarde. Et tout. Frère, là, je vais me mettre dans mon lit, je vais fermer les yeux, je vais les ouvrir et. Ça va être les worlds. Il va aller au lit, position cuir avec sa reine. Position, rien du tout, position devant la télé, frère, tout seul. Tout ce qui va se passer. Tu vas te réveiller à 6h? 6h30, je vais me réveiller. J'ai mon réveil là, déjà, il est mis. Je bloque. Sifir, elle est morte! Correct. Attends, mais je suis pas un tas là, surtout, hein! Ah, j'aurais pas de pantin, dommage. Non! J'ai envie d'hurler. C'est une folie. C'est une Prendre folie. Tous les gangs. Folie, hein. Faire des rotates comme ça et tout. On a pas TF ou vous dans la team? Ah, frérot, non, tu veux pas TF dans ton équipe. Hein. Parce que de base, il est pas obligé de faire ça pour gagner, frère. Il doit juste appuyer sur R-Robot. Ouah, ce qu'il met autour! Ouais, Xerath va défendre en fait. Ah, Xerath peut le tuer. Attends, il s'est fait exhaust. Genre, déjà, Xerath rate le Z. Après, il rate tout le Xerath. Alors, il dodge. Pourquoi il a pas le Xerath? Pourquoi il a pas? Il a dodge le. Mais il va R à l'avant. Non, what? Gros, regarde. Non, quoi? Regarde. Non, mais c'est quoi cette merde? Non mais c'est quoi cette merde? Elle a 21 DS! Elle avait 20... Mais la Rel c'est le GOAT par contre. Attends mais overall c'est pas worse en fait. Attends il est en 3-0 Rakan hein. Ah non 2-0. Attends c'est moi ou j'ai vu 3-2? Attends mais... Attends, quoi? Oh! Please! Move! Faker! Faker! Nom de Dieu! Faker, on m'appelle!